Salut, bonjour. Jim Viera, dans le cadre de megalithomania.uk, va nous présenter une vidéo, une conférence intitulée « La marque des géants à six doigts et six orteils sur l'ancien monde ». Ah oui. Vous allez voir. Ce sont des faits qui ont été reportés dans la Bible et ainsi que dans des documents ésotériques que la présence d'entités à six doigts et six orteils. C'est une caractéristique qui existe encore chez quelques humains. Ils ont souvent été décrits comme supernaturels, voire malveillants. De nombreux académiques se sont frotté à ce sujet. En quart, on peut noter quand même que toutes ces enquêtes sont restées sans trop de résultats officiels. Résultats qui n'aient disparu dans les tréfonds du muséum du Smithsonian Academy Museum. C'est le côté privé où finit par échouer tout le matériel du Smithsonian Institute ou muséum. Il y a une partie publique, c'est peut-être le muséum, qui au bout d'un moment file son stock au Smithsonian Institute, qui lui se charge de le faire disparaître dans la nature. Peut-être qu'ils le vendent entre eux, peut-être que... On avait dit à une époque qu'ils envoyaient les squelettes de géants et des artefacts en mer, et puis ils les jetaient à l'eau, au large. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont plutôt se débrouiller pour se les revendre entre eux. Enfin bon, hypothèse personnelle. Qui ça, ils? Ah ben, les membres de la Breakaway Civilization qui nous manipulent, avec un mode de vie qui correspond à celui qu'on devrait avoir, et celui qu'avaient peut-être ces gens-là de l'époque. Ah, parfois, ils maîtrisaient l'antigravité, des choses dans le genre. Ils ont quand même construit tous ces mégalithes polygonaux ou aux pierres incroyables, dont on n'explique pas vraiment ni la manière, ni la raison, ni d'ailleurs les raisons des disparitions. Enfin, lui, ça fait à peu près 20 ans qu'il étudie tout ce phénomène. Il a écrit un livre avec son collègue, Hugh Newman, intitulé donc « Giants on Record », l'histoire cachée américaine, les secrets des monts, et dans les dossiers du Smithsonian. D'où sont extraits, vous voyez cette photo qui est assez connue, là, où on voit deux personnes, taille normale, debout, à côté d'une momie à laquelle ils n'arrivent qu'à la taille. Bon. On y commence par une citation de la Bible de Samuel 21:20, où on parle d'une bataille à laquelle a participé un homme de grande stature, qui avait à chaque main six doigts et à chaque pied six orteils, quatre membres, et donc 20 au total. 4 and 20. Ah oui, non, 24. 24 appendices digitaux au total. Il était né en tant que géant. En Irak, on a une bibliothèque à Asranabal, je dois mal le prononcer, où il y a des textes anciens qui racontent l'histoire des origines humaines. Et une des tablettes traite justement de polydactylisme, c'est-à-dire le fait d'avoir plusieurs doigts. On est déjà des polydactyles, nous. D'ailleurs, les momies de Nazca, enfin les corps desséchés de Nazca, dont l'ADN n'est pas complètement humain du tout, peut-être même pas complètement terrien du tout, sont que tridactyles. Mais elles ont 7 phalanges, par contre. Alors que nous en avons 4. Mais bon, il doit y avoir une autre organisation des os du poignet ou de la cheville, qui sont très nombreux, vous savez. Hein. On en a, oula, je crois, 7 d'ailleurs. 4, 3 et 1, 8. Moi, je ne m'en rappelle plus bien, excusez-moi. Mon anatomie, malgré le fait qu'on l'apprenne au moins 7 fois avant de s'en rappeler,
commence à s'évaporer. Ouais, c'est peut-être l'heure de l'apéro, là. L'un expliquant l'autre. Bon, on continue. Alors, le nom de la bibliothèque, c'est Ashurbanipal. Je me disais bien aussi. Donc, au British Museum aussi, il y a eu des expatriations de matériel. Il doit y en avoir ailleurs aussi, hein, parce qu'à Bagdad, par exemple, le musée est la première cible de l'opération Tempête du désert, je crois, non ? Ou un autre nom comme ça, là ? Enfin, la guerre de 92, où ils ont pillé les tablettes qui venaient d'avoir été notées et répertoriées par les archéologues de pointe, allemands et français, quelques mois auparavant. Oui, et c'était la première cible de cette offensive. D'ailleurs, ce sont des équipes du style Blackwater qui ont entrepris le malin. Et ils n'ont pris que certaines pièces précises. Donc, ils savaient ce qu'ils cherchaient. Et ils l'ont trouvé. Puisqu'ils étaient là avant, puis ils n'étaient plus là après, si on peut les croire. Enfin, si on peut croire les curateurs du musée, hein, dit-on ça. Les gardiens, quoi. Donc, dans une série de tablettes, la troisième et la quatrième contiennent un total de 15 présages ayant rapport à des polydactyles, de 6 doigts à une main et 6 doigts aux deux mains, 6 orteils aux pieds aussi. Donc, il se répète 3 fois, quoi. Mais ça lui fait quand même que 24 doigts au total. Donc voici à l'écran, au cas où vous ayez besoin de précision pour des recherches, Axel Lange, Gerd B. Müller, qui ont écrit The Quarterly Review of Biology en mars 2017, enfin, globalement, permettre de retrouver ça. Voici une illustration assez sympa où on voit quand même qu'il y a là un pied, et un pied qui a effectivement 6 doigts dessinés, 3, 4, 5 et 6, évidemment. On a aussi une mention, pas sur les mêmes tablettes, mais de ce personnage qui a 9 orteils à chaque pied, lui. Il n'y a pas que ça d'étrange chez lui, hein. A priori. Mais bon, au niveau de la main, lui, il a l'air normal. Et était-ce un tailleur de pierre ? Il y a des chances, j'en sais rien. Est-ce un marteau ou est-ce un signe religieux, le tau, hein, qui a une connotation, une notion de Dieu. Donc, on peut trouver cette mention dans la Bible d'Arnstein, qui date quand même de 1172. Ici, on a une photo venant d'un journal des années 60. On voit donc quelqu'un qui a effectivement 6 doigts à chaque main, même plus, non ? Un animal à compter, ou là. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, hein, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et peut-être qu'il en cacha, hein, mais peut-être pas. Oui, effectivement, lui, il a 13 doigts de main, et avec celui des pieds, ça en fait 27. Le prophète dormant, Edgar Cayce. Donc, c'est un personnage qui arrivait par le biais d'une méditation très profonde, on va dire, hein, un état de stase avancée, de transe avancée, à accéder à un savoir akashique, un peu le savoir du tout, de l'univers, et en tout cas à l'histoire de la Terre. Et dans un de ses papiers, il en a écrit énormément. Il soignait les gens aussi, il arrivait à déterminer quelle était la cause de leur maladie et un traitement. Donc, la population ne cessait de venir le harceler quelque part pour avoir des prescriptions, enfin des diagnostics, on va dire. Et ça a fini par lui coûter sa santé et donc raccourcir sa vie. Mais bon, le peuple est ingrat. Donc, il décrit un muezzin qui a voyagé dans le désert du Gobi depuis l'ancien continent perdu de la Lémurie.
en 9026 avant Jésus-Christ, et qui lui aussi, avec une taille de 1m80, des yeux bleus, des cheveux de couleur or foncé, blond roux, magnifique. Blond, est-ce que c'est pas blond vénitien, ça, je crois pas. Et il avait des mains avec 6 doigts à chaque main. Et ça voulait dire beaucoup quand il disait à 2 mains, si vous le voulez bien. Alors, une petite carte du désert de Gobi où il est fort probable qu'on trouve énormément d'autres choses grâce à l'archéologie satellitaire, si on dit ça comme ça. Des prises de vue satellites avec des radars dans le sol, des sortes de sondages radars du sol qui permettent de voir les sous-sols à une profondeur. Ben, je ne sais pas où ils s'arrêtent en ce moment avec la technologie qu'ils ont aujourd'hui. Je ne sais pas où ça s'arrête, la profondeur de scan. Il est évident que toutes les compagnies minières se disputent ce genre de cartes, quoi, hein, parce qu'ils savent à peu près la qualité de tout ce qu'il y a dans le sol. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on repère énormément d'autres choses, notamment, par exemple, me semble-t-il, la caverne du Buseguy. C'est comme ça qu'elle a été repérée. Il y avait peut-être une anomalie magnétique aussi, je ne me rappelle plus bien. Voilà, donc c'est aussi dans cette région-là, là, qu'on risque de retrouver, pas Shambhala, mais une autre ville mythique qui aurait disparu, ensevelie sous les sables du désert. Oui, où on trouve aussi du sable vitrifié, me semble-t-il, et donc des coins radioactifs, ce qui explique plus ou moins la présence de ces déserts sur Terre. Sinon, il n'y a pas vraiment de raison à avoir des déserts, plus ou moins en général d'ailleurs, sous les mêmes vents, quelque part, peut-être. Il faudrait vérifier ça. Mais d'un autre côté, on ne peut pas vérifier aujourd'hui, vu que, ouais, avec des pollens, vu que à cette époque-là, la Terre ne devait pas avoir les mêmes configurations qu'aujourd'hui, ni les mêmes rotations, ni les mêmes climats. Donc, bon, fin de l'enquête. On trouve aussi d'autres mentions de rencontres entre des Romains et des Syriens, je ne sais pas, et Cérès, à Tabropane. Donc cet homme-là dépassait la hauteur habituelle humaine. Il avait les yeux souples, des yeux bleus. Et il avait une drôle de façon de s'exprimer. Il faisait un drôle de bruit lorsqu'il s'exprimait. Alors, est-ce qu'il parlait comme les Bushmen en rajoutant des claquements de langue? Il y a aussi des Birmans aussi. Il y a une tribu birmane, je crois, qui parle comme ça, ou dans le coin du haut nord de la Thaïlande. Là. Et, ou est-ce qu'ils sifflaient de temps en temps? Et que c'était pas habituel. Je sais pas, il y a peut-être une époque où on n'avait pas le droit de siffler, vous savez, où les gens ne savaient pas. Ils n'avaient peut-être plus de dents. Bon, fin de mon cas. Alors, une belle image avec des photos des momies qu'on a trouvées en Chine, qui, bon, on n'en parle pas beaucoup parce que ça ne plaît pas tellement aux Chinois de voir des momies de grands, de type européen, nordique. Non, vous voyez, non, quoi, comment, on ne serait pas les premiers sur place? Ben non, non. Non, mais vous inquiétez pas, des grands blonds, il y en a sur toute la planète, il y en a eu, en tout cas à une époque. Avant les Maoris en Nouvelle-Zélande, avant tout le monde, à une certaine époque. Blond, roux, les yeux bleus, verts, hein, voilà quoi. Il faut voir. Hein, encore un zoom là-dessus. Hop, je m'écarte un peu, là, comme ça vous pouvez faire un flash sans m'avoir à l'image. Donc, ouais, on dirait même qu'il avait les mains tatouées, lui. Non, je pensais que c'est des tatouages, ça. On dirait du tibétain comme écriture. Ben, c'est la région. Hein. A peut-être pas remarqué le Xinjiang. Je sais pas. Bon, ils avaient une taille d'à peu près 1m80, un peu moins. Voici une belle image de pétroglyphes aux États-Unis. Un petit gros plan. Alors, évidemment, là, on va compter les orteils.
Mais bon, 3, 4, 5, 6. Il y a aussi dans les impressions avec les mains, là, de temps en temps, il y a des mains qui sont non humaines. Mais les impressions à la main, c'est avec des crachés d'ocre. Bon, c'est en peinture, si on peut dire plutôt. Ah, et là, il nous raconte plein de choses, en fait. Enfin, suivant les coins du mur. Là aussi, là, il y a beaucoup d'orteils, là-haut. Là. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, 6 orteils. Là, on peut se demander s'il n'y a que 3 doigts. Beaucoup de serpents, hein, ouais, étonnant. Est-ce qu'il y en a un qui fait du cheval là ou est-ce que c'est un diplodocus? Il y a le cou un peu long. L'écureuil volant. Non, c'est peut-être pas un écureuil volant aussi. C'est peut-être bien un écureuil. Ou bien c'est Orion. Une drôle de roue, ouais, pour des gens qui ne connaissent pas la roue. Laurent, c'est la première chose qu'on voit en arrivant sur Terre, dans les yeux de nos mères, la pupille. C'est ce qu'on voit à chaque fois qu'on regarde une pleine lune. C'est ce qui se passe dans l'eau lorsqu'on y fait tomber quelque chose. Bon, fin de l'encart. Oui, voilà un agrandissement. Et donc, effectivement, il a six orteils. Et lui, là, bon, ben, il a un, deux, trois, quatre, cinq doigts, alors. Oui, là, je pense qu'il faut prendre ce qui est dessiné, comme pour le concret. Hein. Non, pas le négatif. Gros plan de ce morceau-là aussi. Hop. Alors ça, c'est très étrange quand même. Là, il faut le faire exprès pour dessiner des pieds comme ça. Ou c'est des pieds de singe. Ou ça. Ou ça parle d'autre chose. Hein, on dirait la chenille dans Alice au Pays des Merveilles. Là. Vous l'imaginez, là, avec un narguilé. Là-haut, le chat qui rit. Le chat qui sourit. Donc ça aussi, ça vient d'un ranch dans l'Utah. Voyons, magnifique. Et ce personnage avec cette tête-là, là, on l'a déjà vu quelque part. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Un crâne, il me semble qu'il y a un crâne. Une tête de momie ou un crâne qui a cette tête-là. Incroyable. Avec ses protubérances latérales là, en biais, là. Donc il faut constater ces pieds de géant et ces mains aussi qui ont six doigts. On trouve des preuves archéologiques aussi dans la région de Chaco Canyon, où leur maison était décorée avec ben, des empreintes de pieds à six doigts. Voici quelques ruines archéologiques de cette époque, apparemment. Une autre vue. Il semblerait aussi qu'ils aient trouvé un squelette de pied à six doigts. Et là, c'est gravé dans le mur. Donc, ça vient du site Bonito. Et ils ont trouvé cette empreinte d'un pied à six doigts. Ça, c'est un dessin qui vient du Colorado, dans l'est de l'Oklahoma, ici en gros. Ça vient d'un autre canyon dans l'Utah. Ça provient d'un vieux magazine géographique. Ça doit représenter des pétroglyphes. D'ailleurs, ceux-là, on appelle ça des piétroglyphes. Ici, un autre, sur une paroi. Ici, une autre épreuve, avec sept et sept orteils. Ici, une autre vue. Donc, il y a des fois où je pense que ça doit représenter des pieds, et d'autres fois, non. Mais ça pourrait être une main à six doigts encore. Mais peut-être que des fois, ça signifie autre chose. Une famille avec six membres, par exemple, ou ouais, une famille et sa propriété avec six membres, ou je ne sais pas, un autre concept, comme ça. Interprétation personnelle. Ça, c'est un Moab, ici au Nouveau-Mexique. Et là, on peut constater que ça,
C'est une spirale. Donc, il faut considérer le sens d'enroulement ou de déroulement, d'ailleurs, et le nombre de spires. Et peut-être bien aussi, vu le trait central, là, l'orientation, à mon avis. En voici une provenant du Texas. Et à cet endroit, il y a aussi cette empreinte incroyable d'un pied à cinq doigts, normal, mais bon, une certaine taille, hein. On manque de référence là quand même. Oui, parce que si ça, c'est un coquelicot, ça change tout, hein. Donc, en géologie, le docteur Stevenson, en 1855, a écrit qu'il avait vu des empreintes, enfin, des pieds, de ceux qui mesurent de 4 inches en longueur à ceux de grands guerriers qui pouvaient mesurer jusqu'à 17 inches et demi en longueur et 7 inches trois quarts en largeur au niveau des orteils. Ce qui est un peu curieux, c'est que tous ces pieds humains sont naturels, à part le fait qu'ils avaient 6 orteils, ce qui lui prouvait au docteur Stevenson qu'ils étaient des descendants des titans. Bon, il y a un autre site dans le Tennessee, à 2 miles au sud de Browstown, dans la montagne enchantée, vers les sources du Tennessee. Donc, il y a aussi donc des empreintes avec des pieds qui ont 6 orteils chacun. Et une de ces traces est remarquable parce qu'elle mesure 16 inches de long. Et tout le monde se rappelle que 1 inch fait 2,54 cm. Donc, non, 2 cm, 5 mm, 4 dixièmes. Oui. Donc ça nous fait combien? En multipliant par 2,5, ben 32 et 8, 40 cm, un pied de 40 cm de long. Voilà, à peu près. C'est un petit Bigfoot. Il y a une légende Cherokee notée dans l'institution du Smithsonian, hein, qui parle d'un géant qui avait des mains avec 7 doigts. Et voici une image de la main à 7 doigts. Alors, là, il y en a une à 6. Ah non, c'est peut-être celle à 7, avec le pouce ici. En 1891, à Crittenden, en Arizona, pour faire des travaux, ils ont trouvé un cercueil. Il y avait même d'ailleurs une caisse en granit dans laquelle il y avait le corps d'un homme qui faisait au moins 12 pieds de grand. Et en plus, il avait 6 doigts de pied et 6 doigts de main. On a aussi des représentations vers Baja, en Californie, de personnages. Alors, soit vous regardez la photo de très loin, auquel cas vous voyez une main ici, dont voici le bas de la paume avec un doigt, 2 doigts ici et un troisième doigt, hein. Soit vous êtes un peu plus conséquent et vous regardez les parties sombres dans lesquelles, en fait, il y a des personnages avec les bras en l'air comme ça. Il y a 3 personnages qui ont des têtes assez bizarres quand même, hein. Et là, on voit une sorte de vache, de biche. Mais ça peut être des indications pour une carte des étoiles, hein, avec des points particuliers qui représentent les étoiles en question. On peut leur, il faut pas ignorer cette hypothèse. Alors, il y avait aussi des légendes comme quoi il y avait des cohabitations avec ces personnes à 6 orteils et 6 doigts. Bon, là, à gauche, c'est 5, mais à droite, c'est 6. Là, on a la représentation d'un combat entre un personnage à 6 orteils contre un autre qui, a priori, n'en a pas autant. Enfin, qui doit être normal, on n'a rien, on voit rien. Avec celui-là, c'est assez exagéré pour être
noté. On voit aussi que c'est deux hommes, a priori. Voilà, une autre représentation, justement, d'un guerrier qui, a priori, est mort, lui. Et qui avait six doigts d'un côté et cinq de l'autre. Deux fois de suite, là, c'est plus une erreur. Hein. Et ici, encore une autre représentation où on montre bien qu'en fait, il s'est fait sérieusement épingler par de nombreuses flèches. Et il a aussi six doigts d'un côté. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six de l'autre aussi, aussi on dirait. Si ça, c'est pas un cheveu. En tout cas, il a des drôles de cheveux, à propos. Il y a une série de grottes en Chine où il y a un Bouddha qui est gravé et qui a, ma foi, six doigts. En effet. Mais là, il y a le pouce, hein, quand même. Et là, on a cinq doigts. Alors, est-ce que c'est une représentation exagérée du fait que ça a un rapport avec le divin ou pas? Alors, il paraît qu'il y a un village d'Espagne où la majorité des gens, en fait, 6 ou 7 doigts, est rare sur ceux qui n'en ont que 5. Ils ont été exemptés du service militaire espagnol, donc, pour débilisme physique ou débilité physique. Ils disent même qu'il est absurde de considérer qu'un homme qui a pourtant six doigts ne peut faire que moins de travail. Enfin, en tout cas, le fait qu'il soit accepté. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est une influence ancestrale qui perpétue ses influences aujourd'hui dans une population réduite d'une région donnée? Ou est-ce qu'il y a une mutation locale aussi, on peut se demander. Enfin, est-ce que la mutation locale est due à de la génétique ancestrale ou à une mine d'uranium? On ne sait jamais, quoi. C'est bien genre. Ici, on a une décoration d'un linceul mortuaire, où la femme décrite a six orteils, et ça date de 100 avant Jésus-Christ, non, après Jésus-Christ. En gros plan, on constate qu'effectivement, il y a six orteils. Je peux m'effacer plus loin encore. Donc, je ne sais pas s'il l'a dit, mais vu les représentations, ça a l'air d'être égyptien. Ça, c'est un ancien site de Ain Ghazal, où les plus vieilles statues du monde décrivent du polydactylisme et de l'androgynie, c'est-à-dire des caractères des deux sexes apparents. Ici, ils nous disent que l'implantation à Ain Ghazal, ce qui signifie la source de la gazelle, serait apparue entre 10300 avant le Christ et 9950 avant. Il y a eu deux phases différentes, mais enfin, globalement, c'est l'époque atlantéenne, ça, dites-moi. Enfin, de la fin de la dernière Atlantide. Donc, on a des statues dans le genre, super anciennes, donc à Ain Ghazal. Ain Ghazal. Et donc, elle a six doigts ou six orteils. C'est en Israël. Ils l'ont appelé le premier Adam. C'est un androgyne. Il y a un buste à deux têtes dans ce contexte. Et c'est au musée de Tel Aviv. Et voici la tête de la statue à deux têtes. Voici le pied avec les six orteils. Alors là, j'en vois que 5, mais on va lui faire confiance. Peut-être la photo n'est pas assez complète. Il est proposé que ces statuettes d'Ain Ghazal représentent des déités. Le polydactylisme des statues était considéré comme un attribut divin et basé sur une littérature cunéiforme. On identifie cette statue à deux têtes à l'entité commune des dieux Marduk et Ishtar. Monsieur Richard Burnett fait l'hypothèse que ça pourrait être la race de géants citée dans la Bible sous le nom de Rephaïm,
Car ce qui m'embête, c'est que là, pour représenter l'androgynie, il ferait une tête d'homme et une tête de femme qui ne sont pas si apparentes que ça d'ailleurs, d'une part, alors que finalement, l'androgynie, elle ne se représente pas du tout au niveau de la tête en général. Enfin, peut-être l'intérieur de la tête, c'est autre chose, mais c'est plutôt au niveau de l'extérieur du bas du corps, essentiellement, qu'on constate des différences notables avec le commun habituel des mortels divisé en deux sections. En reprenant. Sur le site de Jéricho, ils ont trouvé aussi, datée d'à peu près 8 700 ans, cette statue qui a elle aussi sept orteils. Donc une image de la fouille autour de la tour de Jéricho, où ils ont aussi trouvé cinq crânes d'enfants détachés, tout seuls. Et plus loin, il y en a d'autres. Parle d'une triade, mais là, il y en a cinq. Enfin bon, ce n'est pas très important. Pour notre sujet actuel d'aujourd'hui, maintenant. Hein. Bon, en Jordanie, ils ont fait des fouilles pour faire une base militaire de protection et ils ont trouvé ces deux poteries anthropomorphiques où les personnes en 6 doigts, au moins au bras droit, enfin à la main droite. Il nous dit qu'elles sont androgynes aussi. Je ne sais pas à quoi il voit ça. Un gros plan de la poterie. C'est aussi l'endroit où on trouve certains mégalithes anciens, tels que celui qu'on voit là à l'écran. Encore un autre. Tels qu'on les trouve aussi dans le Caucase, dans le Wiltshire, je pense, et ailleurs. L'Amérique du Nord aussi. Encore un autre. Alors, il se demande si ces endroits-là sont associés avec ces gens-là. Personnellement, je ne peux pas dire vu d'ici, je n'ai pas encore les capacités pour ça. Sinon, non, ce n'est pas là que j'ai été en week-end. Non. Sinon, il faudrait être bioénergéticien pour voir si c'est à ces emplacements-là, il n'y a pas justement des vortex ou des phénomènes telluriques qui seraient trop. C'est invivable de vivre à un tel niveau tout le temps. Hein. On peut se servir de ces endroits, on peut habiter dans d'autres, mais il faut une modération des flux d'énergie. Donc, ça, ce n'est pas vraiment des habitations, ces endroits-là. Hein. C'est plutôt des postes de soins, moi, je dirais. Ou des postes de transport, peut-être même. Mais voilà. On va pas y séjourner de manière longue et durable. Donc, on va aller faire un tour à Paracas, voir les crânes allongés du Pérou, dont je vous rappelle brièvement qu'ils n'ont pas la configuration anatomique humaine normale. Hein. Le trou de passage entre le cerveau et la moelle épinière n'a pas la même forme, n'a pas la même taille. L'emplacement de ce trou par rapport aux appuis crâniaux n'ont pas les mêmes. La configuration osseuse des plaques crâniennes ne sont pas les mêmes. L'irrigation vasculo-nerveuse qui se fait par la pointe du menton et là-haut aussi par deux autres trous, ça n'existe pas chez nous. Qu'y a-t-il d'autre encore? Ben, il y a différentes configurations qui prouvent que ce ne sont pas des crânes humains déformés, n'est-ce pas? Mais parfois, ça peut être des hybridations avec une autre race et l'humanité. Et on se rappelle que quelque part, je ne sais plus son nom, si c'est Joséphina ou Maria, une des personnes qu'on a retrouvées, la grande, celle qui doit faire 1,70 m, qui est assise en cocher de fiacre, a aussi un crâne allongé, hein, et elle a 3 doigts de 7 phalanges. Donc là, à l'écran, on a une poterie qui représente effectivement un être, là, au milieu, avec ses deux pieds comme ça, tacheté, hein, et donc 6 doigts. Par contre, au niveau des doigts de pied, il n'en a que 5. Au Chili et en Argentine, il y a de nombreux sites où on peut trouver effectivement encore des représentations, hein, avec des pieds ou des mains à 6 doigts. Donc là, il y a une carte avec le nombre d'empreintes qu'on a trouvées sur le nombre de sites ou le nombre de sites où il y a des empreintes. Là, il y en a 3, là, il y en a 4, là, il y en a 6, 7,
5. Donc, on vient de passer au Chili, on était en Argentine auparavant. En remontant au nord du Chili, en allant vers le Pérou, il y a un endroit où il y en a 9, 11, 10, 9. J'ai du mal à lire. R. Je lis R. Bon, c'est pas très grave. Eh oui. Donc là, on est du côté Lémurie, hein? Élucubration personnelle. Donc on se rappelle bien là qu'on parle d'empreintes de mains et de pieds qui ont un nombre de doigts supérieur au nôtre, donc ils en ont 6 ou 7. Et en plus, en général, enfin parfois, il y en a certains qui ont des tailles gigantesques, hein, un pied de 40 cm de long, par exemple. Et tout à l'heure, je disais que ça faisait un petit Bigfoot parce qu'il y a des Bigfoot qui ont des pieds plus grands encore. 50, 60, 58 cm, je crois. Au Mexique, sur un site aztèque, pardon, vers Oaxaca, voici une maquette. Et voici un plan. Donc, tout autour de la ville, c'est le lac, qui petit à petit donc va être asséché. C'est un marais, tout ça. C'est la raison pour laquelle aussi, s'il y a un problème sismique à Mexico, on appelle ça, il va y avoir liquéfaction des sols très facilement. Et donc de grands, grands dommages. Donc dans un temple, on a ce genre de représentation. Il y en a deux genres de déités qui sont représentées. Et toutes les deux sont représentées avec 6 orteils aux pieds. Donc, je ne sais pas si on a eu le temps de voir les deux là à l'écran. Bon, ça c'est autre chose. Nous voici maintenant sur les ruines de Palenque au Mexique. Et tout au long du site, vous allez voir des représentations de mains à 6 doigts et de pieds à 6 orteils. À Teotihuacan, on va trouver la même chose. Donc, dans la région de Palenque, daté d'après Jésus-Christ 400 à 800 ans, il y a des figurines d'argile de Teotihuacan, considérées comme étant de la période 300 à 500, et des céramiques zapotèques de la période classique tardive, datées de 500 à 700. Les voici à l'écran, je suppose. Les déités en question. Et en effet, si on leur compte les doigts, ils en ont 6. Oh là 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 là. Ben quand même, ben c'est pas la première fois que je vois leur représentation et c'est quand même la première fois que je constate qu'effectivement, ils ont 6 doigts, quoi. J'ai pas vu ça avant. Moi, je m'en rappelais pas en tout cas. Comme quoi, hein. On n'a jamais fini. Et donc un truc qu'on n'avait pas vu et qu'on constate finalement, peut réorienter toute une démarche de réflexion pour expliquer des trucs ou pas. Et donc voilà, quoi. C'est pour ça que parfois on se perd un peu après, évidemment. Bon, fin de l'encart. Donc là, il est dans un musée Olmec et ses deux personnages aussi. Donc gros plan de l'une d'entre elles qui a 6 doigts à ses deux mains. Et donc, on peut faire la tournée des musées du monde et on trouve d'autres exemples de personnages avec 6 doigts. Donc, celui de droite viendrait d'Équateur, il le traite d'androgyne, alors que ça pourrait être une femme, en fait. Pas vraiment avec des traits très féminins, mais un androgyne, je ne sais pas. Vraiment, hein. Écoutez, je ne suis pas vraiment spécialiste dans la chose. Là, nous sommes à Tulum, un magnifique endroit du Mexique, un ancien site de temple maya. On a donc des temples et des fresques. Là, il y en a une avec une main à 6-7 doigts. Ça, ce serait une fresque étrusque qui lui aussi a 6 doigts à chaque main. Au musée Getty, Ankara. Il y a des gens qui disent que sous le musée Getty, il se passe des choses vraiment pas claires du tout et que tout ça, c'est relié par tunnel à d'autres bases où il se passe des choses pas claires du tout. Ce sont des contreforts du côté le plus sombre de la Kabbale, du Deep State.
quand je dis pas clair du tout, c'est même atroce, hein. Trafic humain, etc., etc. Et cohabitation avec d'autres races exogènes aussi. Mais bon, c'est pas tout à fait le sujet là quand même. Donc on a cette représentation d'une déesse de la fertilité au Getty. Elle a 6 orteils, à chaque pied un gros plan. Donc elle provenait de chiffres datés de 3000 à moins 2500. À Malek, en Iran, ils ont trouvé ce couple. Je pense qu'on peut dire que c'est un couple. Un gros plan. Alors là, vous voyez, ils sont en train de se mélanger. Et en voici une autre de statuette qui, elle aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh oui, il faut le dire. Si on allait en Thaïlande, dans un site très, très ancien, on trouve aussi des mains à 6 doigts sur les murs, peintes. Alors, on pourrait remonter à la mythologie aussi pour avoir cette citation, oui, cette citation de personnes avec 6 doigts. On nous parle d'un membre de la tribu des Tuatelalan Kuklein. Excusez-moi si je prononce mal. Sur les côtes d'Irlande. Dans l'histoire, on nous parle d'invasion avant et après le grand déluge. Kuklein était considéré comme un être divin, bienveillant. Et là, on lui décrit 7 orteils et 7 doigts à chaque main avec des ongles tels des griffes. De griffons. Voici notre représentation. C'est un peu la même histoire que pour Viracocha, qui lui aussi est sorti d'un lac et qui est aussi décrit avec 6 orteils et 6 doigts. Donc l'autre, il en avait 7, mais de toute façon, une fois de plus, ce sont des êtres surnaturels qui sont décrits avec 6 orteils ou 6 doigts ou 7. Un gros plan. Alors, comptons-lui les doigts. 1, 2, 3, 4. Ben là, j'ai du mal. 5. Mais j'ai du mal. Hein. C'est l'image et mes yeux. Donc, ça, c'était trouvé au Tibet. Et on constate qu'il a bien une swastika sur le bin. Donc, il dit bien qu'il a 6 doigts. Cette statuette a été faite à partir de fer météoritique. Ah oui. Bravo. Ici, une statuette, va-t-on dire, en provenance d'Iran, avec des mains à au moins 6 doigts. Donc, on vous montre là des exemples qui proviennent de tout autour de la planète, histoire de dire que ce n'est pas vraiment une coïncidence. Voici le géant irlandais en 1895. Alors ici, en gros plan, donc, c'est une photographie qui était publiée dans le magazine Strand en 1895. Donc, pour vous donner une idée de la taille, parce que l'échelle, ça ne suffit pas, et même, elle est quand même adossée à un wagon, dont le toit doit lui arriver au niveau des épaules, quelque part. Hein. Ouais. Ah, je ne sais pas, ça doit faire 4 mètres. Je dirais, pour voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, voilà, si on s'arrête à 18, quel est l'intervalle entre deux barreaux? En général, 40. 18 fois 40, 40, 72. 7m32. Quoi? Donc, cette statue n'existe plus, mais elle a été montrée. Les gens payaient pour aller la voir. Il avait au moins 7 orteils au pied droit et 6 doigts à chaque main. Une représentation égyptienne avec des mains à 6 doigts. Dans le journal médical de Malte aussi, on note des personnes à 6 doigts. Donc, c'est pris dans la région de l'Hypogéum de Malte.
C'est une construction étrange et mystérieuse, mégalithique, souterraine, dans laquelle il y a des résonances sonores incroyables et qui, a priori, datent de l'époque du matriarcat, où là, une caste de prêtresses soigneuses, soignantes, médiums, druides, pratiquaient des soins génicaux auprès de leurs consœurs, ainsi que sûrement d'autres activités. Il faut constater qu'effectivement, il y a des pierres incroyables, donc, d'une part, mais aussi des résonances qui ont été calculées et qui se rapportent à la résonance de Schumann, me semble-t-il. Ils sont en harmonie avec des tonalités saines pour s'occuper des hommes, hein, en clair. S'occuper des humains. Et là, sur un mur, il y a une empreinte de main à six doigts. Et vous savez qu'à Malte, comme en Sicile, comme en Sardaigne, on a retrouvé des traces de géants, ne serait-ce que dans les mégalithes. Mais enfin, voici une image du temple. Avant qu'on découvre Göbekli Tepe, on considérait cet endroit-là comme étant l'origine du monde, une fois de plus. Mais bon, Göbekli Tepe a fait remonter ça à moins 13 000 ans, à peu près. Ben oui, je vais faire un encart. En Égypte, dernièrement, officiellement, ils ont admis des remontées jusqu'à moins 50 000, moins 80 000 ans, moins 500 000 ans quasiment, suivant quel endroit de la Haute-Égypte. Le Adam Kalandar, c'est moins 450 000 ans, me semble-t-il, moins 400 000 ans, on va dire. Et c'est en Afrique du Sud, et il y a la même disposition, en fait, avec possiblement des pyramides aussi. Il y a la même disposition qu'un certain Stonehenge, on va dire. On appelait ça le calendrier d'Adam. Et d'énormément de représentations d'une, a priori, divinité en pierre, en forme d'oiseau. Il faut voir les travaux de Michael Tellinger à ce propos. Adam Kalandar, Michael Tellinger, en anglais. Peut-être traduit une fois, je ne sais pas. Pas par moi, je ne me rappelle pas avoir fait ça. J'en ai parlé souvent. Oui, alors tout ça s'est inscrit sur une spirale de Fibonacci en plus, en Afrique du Sud, là. Et il est fort probable que les deux pyramides dans le lointain soient deux collines, soit deux monts qui sont considérés encore pour l'instant comme des collines. Un petit peu la même affaire qu'en Bosnie. Ouais. Oh, c'est une montagne. Ah ben attends, elle est orientée plein nord, elle émet des vibrations, il y a des canaux souterrains. C'est une montagne, bien sûr. Enfin bon, les pyramides de Bosnie sont de plus en plus l'origine des pyramides bientôt. Plus grande que Gizeh, plus grande que tout, etc., etc. Plus vieille et en fonctionnement, si on les retape un petit peu quand même. Bon, toujours est-il. Oui, il pourrait y avoir donc des pyramides qui sont implantées avec la configuration de la ceinture d'Orion encore à ce site d'Adam Kalandar. Et le tout daté à 450 000 ans. 400 000, 450. Et avec des pierres qui résonnent. Puis c'est aussi la région où on voit toutes ces soi-disant ruines de parcs animaliers, où en fait, ben, il n'y a jamais de porte. Il n'y a jamais de porte. Mais il y en a des centaines de milliers en plus de ces configurations-là. Et comme c'est bourré de mines d'or, on se dit qu'en fait, à l'époque, Enki avait trouvé un moyen géomagnético-sonore pour, une fois que les humains qu'il avait créés avaient extrait le minerai, l'extirper hors de la planète ou à bord de son vaisseau ou par un biais de lévitation pour pouvoir se déplacer de chacun de ces emplacements de pierre là au sol qui sont en fait des formes de résonance sonore qu'on pourrait obtenir comme des cladnis, vous savez, comme si vous tapez sur une cymbale sur laquelle vous avez mis du sable, ça va faire une pattern. Un design, un dessin. Eh bien, on peut très bien imaginer que les pierres telles qu'elles sont inscrites comme ça sur le sol, ce serait la même manière que des grains de sable qui seraient venus s'accumuler selon ces dessins-là à la suite d'un certain son. Ouais, un truc dans le genre, quoi, vous voyez, qui permet de servir des sons et de l'énergie pour mieux vivre.
Fin de l'Anka. Donc voici les statues de Göbekli Tepe dont il parle. Ici, nous allons en Australie, où nous voyons aussi un personnage avec six doigts à chaque main. Et ben, évidemment, puisqu'on est en Australie maintenant, je ne peux m'empêcher de vous parler de Stephen Strong, qui a fait quelques vidéos appelées Égyptien en Australie ou Hiéroglyphe en Australie. Toujours est-il qu'il y a un site aussi où les aborigènes anciens remarquent que des sept sœurs étaient venues de leurs ancêtres, enfin des gens qui avaient fait copain avec leurs ancêtres en tout cas. Et puis il y a des hiéroglyphes et tout ça aussi, et l'histoire de deux fils de Néfertiri. Assez passionnant, oui, assez passionnant. Alors évidemment, les officieux, les officiels. Ciel, officiel, refusent tout ça, hein, parce que eux, déjà, la pyramide, c'est moins 5000 ans et c'est beaucoup. Bon, reprenons. Donc, il y a sur place en Australie des légendes de géants, de personnages androgènes, hommes et femmes en même temps. Les anciens aborigènes ont un dieu androgyne, de la même manière que les Ounis et d'autres tribus l'en ont. Les dieux poissons étaient considérés aussi androgynes. Alors, les dieux poissons, ça va être les Nomo, les Dogons aussi ont ce genre de dieux, me semble-t-il, mais je ne suis pas sûr. C'est plutôt les Nomo. Enfin, c'est de ces dieux poissons dont pourrait être tirée la forme de la mitre papale. Puisqu'en fait, ce sont les fils d'eux, là, qui avaient donc un crâne allongé aussi, sûrement, ce que cachait la mitre. Et ils les avaient mis au poste de pouvoir, de savoir et de pouvoir pour gérer le bétail humain. Et leurs descendants sont encore plus ou moins les membres de la Breakaway Civilization. Et donc, ils continuent à se faire la guerre aujourd'hui, comme ils se faisaient déjà la guerre entre eux à l'époque. Voilà. Ils avaient six doigts, donc certains d'entre eux, a priori. Viracocha était dit androgyne, pardon. Et on les décrit toujours comme des dieux qui ont créé l'humanité, voire de manière supernaturelle. Donc, c'est une idée qui est partagé sur toute la planète. Avant Internet, hein. Quoi qu'on ne sait jamais, hein, peut-être à l'époque, ils l'avaient, l'Internet. Ah oui, avec le système d'obélisques et de pyramides, et sûrement d'autres trucs, bah, ils avaient fait un système à Tesla qui non seulement transportait l'énergie à distance sans fil, mais aussi les communications. Puisque Tesla a recopié la pyramide, hein. Ouais, sous la pyramide, il y a de l'eau et c'est nécessaire à son fonctionnement. Fin de l'encart. Donc, sur un rocher en Nouvelle-Écosse du Sud, en Australie, il y a une description d'un homme à deux têtes qui mesure plus de 3 pieds, 3 pieds, 3 mètres de long. De haut, hein, et qui a six doigts. À la main droite, en tout cas. Ici, une représentation particulière. Ah oui. Bah, écoutez, alors, si je suis l'artiste, là, j'ai voulu représenter le bonhomme et son ombre. Non, ils sont peut-être deux quand même, hein, puisque dans toutes leurs histoires, il y a toujours deux jumeaux qui ont créé la planète ou qui ont créé les lieux. Enfin bon. Par contre, là, j'ai encore l'impression qu'il y en a un qui en a 7 et l'autre, non. L'autre, il a 5, là. Enfin, la photo, hein, je ne peux pas en être sûr, quoi. Donc, on se demande quand même qu'est-ce qu'on peut tirer de tous ces renseignements, là, ces écritures, ces gravures, ces peintures, ces descriptions dans les textes, les géants et les preuves qu'on a sous les yeux. Le fait que ces cultures n'étaient soi-disant n'avaient aucune aucun contact les unes avec les autres. Oui, après les déluges, je pense qu'ils avaient plus de contact, mais avant le déluge, ça c'est autre chose.
Enfin bon, en quart personnel, on va dire. Là vient l'Australie, et lui aussi a 6 doigts, à chaque main et à chaque pied. En mai 2018, il y a un article qui dit que l'installation d'aborigènes en Australie n'était pas un accident. De voyager à ce niveau, à cette échelle, demande un savoir et linguistique et symbolique et des capacités techniques. Ça demanderait la construction de vaisseaux aquatiques, de technologies de navigation bien développées, ainsi qu'une capacité de planning et de partage d'informations. Oui, mais à l'époque, en antédiluvienne, bon, bah parce qu'on fait remonter les aborigènes à moins 30 000 ans minimum, moins 70 000. Et ça, c'était encore les anciens chiffres, on va dire, ceux de l'Académie. Hein, donc, bon, on peut rajouter des dizaines, des centaines de milliers d'années, des fois. Voici encore une belle représentation. Ici, encore en plus gros plan. Pardon. Tiens, je constate un truc étrange quand même. Ça doit vouloir dire quelque chose. Ils ont un trait au niveau de la taille, là. Lui, alors, je pensais que c'était une brisure de la roche, ce qui est aussi possible d'ailleurs. Mais en fait, il y en a un autre ici. Lui aussi a un trait. Et il a aussi au niveau des épaules. Il partage le corps comme ça en morceaux, d'une certaine et étrange manière, je dirais. Bon, ben sinon, donc, effectivement, il a au moins 6 doigts. Et en bas, ben, il a des moon boots. Voici un dessin de la part d'aborigènes du 18e siècle. Donc, on voit qu'il a 6 doigts aux mains et 6 orteils aux pieds. Au Botswana, en Afrique du Sud, il y aurait l'empreinte de l'Enao Laga Kualabe, qui est dite avoir appartenu à un homme énorme, qui, tel Matsiang, aurait vécu des milliers d'années, il y a des milliers d'années. Il avait 6 orteils et des pieds massifs, des pieds géants. Et une des empreintes d'un de ses pieds a été imprimée dans un rocher, juste aux bordures de Kenya. Et la voilà à l'écran, en gros plan. Donc ça, pour moi, c'est une représentation. Hein. Mais il a pris son empreinte comme modèle. Et là, voici un schéma, enfin, voici une autre représentation. Bon, mais là, il y en a deux, hein, des pieds. Hein. Moi, là, je vois 6 orteils aussi, au cas où. Et 6 ici. Enfin, 1, 2, 3 ou pas 3, 4, 5. Et ici ou pas. Ouais, la fois. Voici à l'écran Credo Mutua, un bon pote de David Icke. Il a une interview géniale de Credo Mutua qui dure 6 ou 7 heures. Où Credo Mutua raconte d'ailleurs l'histoire d'Adam Kalandar et le contact avec les Chitauri, qui sont des reptos, draco ou pas, j'en sais rien, les rencontres avec les gris. Et il y a sur ce collier qu'il porte et qui doit peser 30 kilos, en métaux plus ou moins précieux, des artefacts donc, dont la signification retrace aussi l'histoire du monde et la création de l'humanité. Passionnant. Credo, C-R-E-D-O, Mutua, M-U-T ou 2-T, W-A. Shaman Zulu et David Icke, I-C-K-E. Il est probable qu'il y en ait quelques petits bouts traduits en français. Donc pour lui, aucun doute, influence extraterrestre sur l'humanité. Et je peux vous dire un truc, il en a bouffé du E.T. Et il dit que ce n'est pas une partie de plaisir, hein, que tout le monde n'y survit pas d'ailleurs, paraît-il. Ah. Mais que depuis qu'il l'a fait, ça lui a fait un truc, génétiquement on va dire, si je me rappelle bien tout ça.
au niveau de sa transformation à lui. Par contre, je suis sûr qu'il en a bouffé. Mais il me semble bien que ça l'avait mis malade pendant 4 jours. Ça, c'est une image qui provient de Tanzanie. Et ça, c'est une empreinte dont parle Michael Tillinger aussi, en Afrique du Sud, à une époque où, a priori, la Terre était meuble. N'est pas impossible, hein, si vous vous rappelez, je pense que j'ai dû parler de ces traces de roues, a priori roues, on n'est pas sûr, mais ces traces de chariots qui sont dessinées dans la pierre, des fois très en profondeur, qui très souvent partent vers la mer, on ne sait pas où, s'enfonçant sous la mer. Et ça donne ce même effet, vous voyez, d'empreinte qui a été faite à une époque où la pierre était meuble. Donc, il n'est pas en train de dire que quelqu'un a sauté dans la boue il y a des millions d'années. Et peut-être que c'est une représentation par les locaux, une gravure. Moi, j'ai un doute là, avec le surplus, là, la bordure là-haut, là, ça fait vraiment. Ça fait ce qui se passe quand vous mettez le pied dans la boue fraîche, pas trop liquide. Par contre, ce qu'on peut constater quand même aussi, c'est qu'il a 6 orteils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et que c'est un pied gauche. Ils sont mieux dessinés sur cette partie-là de la photo à droite. Ouais. Autour de la Polynésie française et dans le Pacifique, vous trouvez des statues, dont voici un agrandissement d'une partie de la photo frontale, où on voit qu'il a des mains à 6 doigts. Et Thor Heyerdahl, qui a traversé le Pacifique à bord d'un vaisseau tel qu'on peut en construire sur le lac Titicaca pour prouver que c'était possible à l'époque de naviguer depuis une côte jusqu'en Polynésie, par exemple, ou à l'île de Pâques, en autre. Et donc, lui, qui s'est baladé dans toutes les îles du coin par la suite, a remarqué. Et toutes les statues qu'il voyait sur les îles avaient 6 orteils, 6 doigts, étaient associées avec des géants. Tous les locaux parlent de légendes faisant mention de ces géants. Il y a aussi l'empreinte de pied de Tarawa. Donc voici une image. Alors là, j'ai beaucoup de mal. Donc juste auparavant, il avait mis un schéma qu'on va essayer d'obtenir là. Donc ça c'est de l'Agon, l'endroit où il y a l'empreinte et donc l'empreinte. Bon, moi personnellement j'ai pas assez de contraste pour dire quoi que ce soit. Alors ici là on a une autre empreinte dans la pierre avec un pied à l'échelle. On peut aussi constater qu'a priori, il y a 6 doigts, hein, si ça c'est le pouce. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, si ça c'en est une, parce que là, il y a un débordement du pied, donc là, je mettrai un orteil. Ouais, enfin, mon approximation reste très approximative. Donc, ce qui est rigolo, c'est que dans le coin, ils ont 2 empreintes qui sont séparées. Enfin, ils ne sont pas sur les mêmes îles. Il y a un pied gauche et un pied droit. Ah ben voilà. Donc, c'est un géant qui avait des bottes de 7 lieues, mais là, il faisait les 7 lieues pieds nus. D'autres empreintes de pied dans les îles Fidji, des représentations aussi, avec du polydactylisme. Sur l'île de Pâques, où on trouve aussi des représentations de pieds à 6 pieds, à 6 orteils. Mais il faut constater aussi que l'homme-oiseau mystérieux, cette divinité de Rapa Nui, possédait 6 doigts. Et d'une autre représentation, on constate qu'il a aussi 6 orteils. Et ça vient de Nouvelle-Zélande, par contre. Tout le monde connaît les Maui, les Moa, pardon, Moai, Moai, de l'île de Pâques, hein, dont on voit ici une tête et le reste du buste encore enterré, hein, parce que les statues sont complètes en général.
Mais on parle moins souvent de cet art de la construction des murs, de style mégalithique, polygonal, et qui a vraiment le même style de construction que, par exemple, ce qu'on trouve au Pérou et en Égypte, hein, à propos. Dans la région de Pompéi, on a une ville mégalithique, nommée Pompéi en Indonésie. Et là, on est à Nan Madol. Ici, c'est Atona. Voici un détail. En Espagne, on a cette représentation, la Atama Cave, enfin, la grotte de Atama. C'est un art très ancien qui pourrait avoir 30 000 ans. Donc, on avait constaté qu'il avait 7 doigts. Ici, nous constatons aussi un individu qui a 6 doigts, mais qui est une représentation mi-humaine, enfin, mi-anthropologique, hein, mi de forme humanoïde, on va dire, mi-animal, ce qu'on appelle un polyanthrope, je crois. C'est des représentations souvent des chamans. En Anatolie, on a trouvé des statuettes qui sont souvent représentées aussi avec 6 doigts. Voici une image magnifique d'un des petits sacs, a priori, que trimballaient tout le temps les Anunnaki avec eux, vous savez. Ou celle-là, vu la forme, je la mettrais plutôt en Amérique du Sud, vers la porte du soleil. Là, il me semble qu'ils avaient des choses un peu plus dans le genre. Oui, les Anunnaki, ils ont toujours une montre avec un drôle de design dessus, mais intéressant. Et un petit sac à main, vous savez, et un cristal à la main. Oui, ben, on va dire que c'est leur iPod de l'époque, ou la télécommande de l'époque, ou enfin une baguette magique, on va dire, un cristal magique. Interprétation personnelle. Donc là, il y a une représentation de l'hybride humano-scorpion. Et lui aussi a 6 doigts. Il paraît que lui aussi a 6 doigts. Bon, il dit qu'il a 6 orteils aussi, mais là, je ne suis pas d'accord. En fait, ce débordement du pied, c'est le débordement du pied. Et là, on a le petit orteil, ses 3 collègues et le gros. Mais il n'est pas prêt de mettre le pied dans les chaussures, lui, ce qui est normal, normalement, de marcher pieds nus par terre. C'est bon pour la santé. Puis on n'est pas censé devoir faire des kilomètres et des kilomètres, normalement. Et tout ça. Enfin bon. Il y a un temple à Asnar qui est dédié à un dieu qui pouvait créer par le pouvoir de la pensée, de la volonté, et qui est décrit ici aussi avec 6 doigts, ainsi qu'on le voit mieux sur cet agrandissement. Donc, du côté de Tiwanaku, là, dont je parlais à l'instant de la porte du soleil, du côté de chez Viracocha, qui était connu pour être androgyne, il est aussi dit avoir été un géant. Ce qui n'est pas évident là sur la photo, enfin sur la gravure. Il a aussi une main droite avec 6 doigts, au moins la droite telle qu'on le constate sur un vase de Viracocha. Il y a aussi une représentation ici sur un vase. Et Maurice Cottrel en parle. Maurice Cottrel est quelqu'un, mais je suis pas sûr que ce soit le révérend Cottrel qui fait les méditations profondes. Mais c'est possible que ce soit le même. Il a fait une constatation incroyable sur toutes ces représentations. C'est que si vous en prenez une image comme ça et vous reprenez la même image, vous calez dessus, et que vous arrivez à trouver à quel endroit est-ce qu'on peut faire un axe de rotation d'une des images par rapport à l'autre. Là, par exemple, je prends pour axe le milieu de ma main, mais je pourrais les faire pivoter comme ça. Et en fait, la représentation finale que ça va donner, elle sera finale lorsqu'on va pouvoir voir autre chose grâce à cette superposition. Superposition, c'est les impôts, là, je suis superimposé. La superposition qui va permettre de voir autre chose. Donc, on peut avoir une scène qui représente, par exemple, un sacrifice humain. Et en fait, quand on fait ce décalage, ce pivotage, cette rotation, on voit tout à fait autre chose.
Alors, au niveau de la réalisation, le boulot de l'artiste pour arriver à concevoir le décalage nécessaire pour cette double vue possible de son œuvre, c'est du haut de gamme. Faut peut-être l'intelligence artificielle pour faire ça. Je ne sais pas. Faut en tout cas un cerveau un peu plus développé que le mien, hein, il me semble. Ou une méthode qu'en tout cas je ne connais pas du tout, a priori. Bon, ici, il y a des représentations avec six orteils. À son pied droit, mais pas au gauche. Serait-il un hybride d'une race à sept et six doigts? Qui serait amusé à créer une race à cinq doigts? Hypothèse amusante. Bien, je vous remercie d'avoir suivi. Donc, on se rappelle qu'on a fait une énumération de preuves, de découvertes et de raisonnements, et de recoupements qui nous amènent à penser des choses qui, a priori, peuvent être retrouvées sur toute la planète en plus. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous laisse sur cette image de fin qui rend hommage à tout le personnel qui a participé à la création de cette conférence. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Bon courage.